que la Belgique n'a pas respecté l'article 2 du respect de la vie humaine. Elle ne l'a pas respecté, puisque vous savez ce qui s'est passé le 13 novembre. Alors je suis dans un état de sidération, parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, le 18 mars, on aurait peut-être pu le faire en juillet 2014, on aurait peut-être pu le faire en septembre 2015, après l'attentat du Thalys. Madame Ribéry-Reynard, est-ce que on peut dire que vous attendiez depuis 4 mois ce qui s'est passé aujourd'hui, ou est-ce que finalement vous n'y pensiez pas, parce que c'est peut-être pas si important que ça pour vous? Est-ce que vous attendiez qu'on l'attrape, cet homme, pour qu'il puisse peut-être enfin parler et dire des choses qui pourront peut-être vous aider, d'une façon ou d'une autre? Monsieur Savard, ça va qui est arrêté ce matin, c'est un peu. Je pense que c'est le premier du notiste. Parce que derrière ce monsieur, il y a tout ce qui vient d'être évoqué par l'interlocuteur précédent, sur ce qu'il appelle l'omerta à Molenbeek.